Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Là, je vous emmène quelque part de mythique. Je peux passer là? On va au lac Rose. Pourquoi il a beau? Oh, ok. Donc là, je vous emmène au lac Rose. Est-ce que vous connaissez le lac Rose déjà? Est-ce que vous y êtes déjà parti? Moi, ça va être la première fois. Donc, on va voir un peu si c'est vraiment rose et à quoi ça ressemble. Et puis, on verra surtout ce qu'il y a à faire là-bas. Ok? J'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Tu vois? Tu vois l'air est tombé? Donc on est venu au lac rose sans qu'il soit rose. Bon, les gars, on dirait que le lac n'est pas rose aujourd'hui. Hein. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Bon, on est censé être au lac rose, mais il n'est pas rose. Mais je pense qu'il y a des périodes de l'année où c'est rose. Je vais leur demander là pourquoi déjà c'est pas rose aujourd'hui. Et c'est surtout à quelle période c'est rose. Donc si vous savez, dites-moi, c'est à quelle période le lac est rose. Visiblement, mon guide là, il savait pas que le lac n'était pas rose. Là, en plein mois d'août, quoi. Faut qu'on aille où il y a les montagnes de sel là. Je crois qu'on n'est pas arrivé au bon endroit. Normalement, c'est là. C'est là-bas qu'on va partir. Vous voyez là-bas. Ah, tu me donnes un cadeau? Oui. C'est gratuit? Oui. Non, ça ne peut pas être gratuit. Non, c'est gratuit. Mais là, c'est pas gratuit. Les cadeaux gratuits, je me méfie de ça. On est négé, c'est gratuit. Ah bon? Qu'est-ce que tu vas me demander en retour? Si je prends ces cadeaux, je filme. Hein? Si tu me donnes, je ne paye rien. Hein? Oui. Tu es sûr? Si vous filmez. Oui. Tu vas me demander l'argent pour te filmer. Non, c'est pas grave. C'est pas gratuit, non? C'est combien? C'est pas grave. C'est combien? Regarde ça. Ça, c'est combien? Ça, c'est cadeau pour toi. D'accord, maintenant après. Après, tu regardes mon travail. Ah, il faut que je. Si tu me donnes ça cadeau, là, je dois payer quelque chose? Non, tu ne payes pas rien. Si tu veux, si tu regardes, si tu veux. Juste pour voir. Ça, c'est cadeau gratuit. Mais juste que ça. Regarde, ça, c'est cadeau gratuit. Garde-le. Tu ne m'averses pas. Ah bon? Garde-le. Comment t'appelles? Comment Moi, je m'appelle Jean-Yves. Jean-Yves? Oui, moi, Jean. Fatou? Jean, Jean-Yves. Fatou? Fatou, merci. Yves. Garde-le. Oh! Merci, aussi, Fatou. Ne m'averse pas. Non, je ne vais pas te vexer. Ça, c'est le bois. Ça, c'est le bois? Oui. Ok. C'est le bras, c'est le bois. D'accord. Je dois te donner combien pour ça? Avant de partir. Hein? Je te donne combien pour ça? Non, ça c'est gratuit. Ça c'est gratuit. Ça, c'est gratuit. Même si tu veux acheter, tu veux venir avec moi. Et si je n'achète pas, c'est gratuit. C'est gratuit. Oui. Ah bon? Ça, oui, ça c'est gratuit. C'est fini. Ah, donc c'est le risque quoi. Voilà. Du coup, tu veux que j'achète? Voilà, regarde. Il y a les courriers. Tu vois, les... elle m'a eu comme ça. Il y a les bracelets. C'est une vraie vendeuse, elle. Vous êtes des Ivoiriens ou... Oui, Ivoiriens. Comment tu as su? Parce que... L'accent? Ma femme, elle va jamais porter ça, sinon j'allais prendre ça pour elle. Ah, pourquoi? Elle n'aime pas les... C'est le collier? Oui, elle n'aime pas les trucs comme ça. Même ça? Vous voyez comment est-ce qu'elle m'a eu? C'est qu'elle m'a donné le bracelet gratuit. T'as commencé comme ça déjà. Non, c'est gratuit, tu prends gratuit. Maintenant, elle est en train de me montrer ses différents produits. Là, je suis obligé d'acheter quelque chose avec elle, vous voyez. Donc, faut venir ici quand c'est. Hein? Quand il y a beaucoup de soleil, c'est là que ça devient rose. Oui, c'est là. Parce qu'avant-hier, il pleut ici. D'accord. Donc, quand il pleut, il n'y a plus de. S'il pleut, la coloration va changer. Ah, ça là, si je tombe là, c'est pas profond. Non, ici c'est pas profond. Tu vois là, il y a des accidents. Même si tu ne sais pas nager, si tu rentres dedans, tu vas flotter. Ah bon? Oui. Parce qu'il y a trop de sel. Il y a trop de sel. Voilà. D'accord. C'est pas rose, hein? Non, tu as vu? Aujourd'hui, c'est pas rose. Mets encore le caillou, je vais voir. Ah!
C'est pas rose. Maintenant, qu'est-ce qui fait que c'est rose quand ça devient rose? C'est le vent avec le soleil. Avec le soleil. Donc, c'est le vent avec le soleil qui fait que c'est rose. Donc s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vent, c'est pas rose. Ça va changer c'est, là. C'est l'eau de pluie qui se mélange au lac actuellement. C'est pour ça la concentration est faible. Normalement, c'est le soleil qui, lorsque le soleil tape, mais là, il y a eu beaucoup de pluie récemment. Donc en fait, quand il pleut, le pays est déréglé. Parce que ça, là, c'est l'eau de pluie qui a vu. Tu as vu, c'est l'eau de pluie. Moi, j'étais venu. Ça, c'est l'eau de pluie. Bon, ça, c'est l'eau de pluie. Parce qu'avant, il pleut ici, il y a beaucoup de pluie. Il y a beaucoup de pluie, et donc du coup, ça mélange. Et au-delà de ça, tu n'as pas. Maintenant, le lac est déjà rempli. Ah, ok. Bah, on peut au moins aller voir où il y a le sel, là. Peut-être. Viens, quoi? Celui-là, il va nous faire un tour de bateau. Il va nous faire un tour de bateau? Ouais. Ok. Bon, on va faire un tour de bateau pour voir. Même si on n'a pas pu voir la couleur rose. Pardon, tu es en train de faire quoi là? Hein, même si on n'a pas pu voir la couleur rose. Et puis là, limite, on a du sel. On aurait pu voir aussi comment est-ce qu'il faisait le sel. Ouh, c'est dur. C'est très dur. Attends, juste que... J'ai goûté pour voir. Très salé. Du coup, toi, tu es d'ici? Tu es... Moi, j'habite ici. Tu habites ici? Tu fais le sel aussi? Oui, mais même t'as, c'est le guide local, parce que nous, ils travaillent là-bas. D'accord. Quand tu trouves, mais qui vient, c'est nous. Ah, toi, tu es guide local? Exact. Ok, bah, guide local. Comment on fait le sel là? Tu peux me regarder nous dire ça. Faut expliquer. Voilà, parce qu'il y en a des. Ici, c'est travail, c'est public. C'est public? N'importe qui peut ramasser le sel. N'importe qui peut venir ramasser le sel. Voilà, ni paye ni taxi. D'accord. Ni impôt ni rien. Ok. Mais c'est la droit et la demande de sincérité, discipline, pas de bagarre, pas de vol. Pas de vol, ok. Voilà, parce que pour cela, il y a beaucoup de Maliens, des Guinéens, qui viennent ici travailler le sel. 2 ans, 3 ans. Ok. Avoir de l'argent, après, ils rentrent chez eux. Ils rentrent chez eux, ouais. Voilà, parce qu'ici, ça, quand on recrute 24 000 tonnes qui sont ici par an. 84 000 tonnes. 24 000 tonnes. 24 000 tonnes voilà, de sel par an. Voilà. Mais c'est okay. Pas consommé seulement ici au Sénégal. Belle-export, okay. Comme Mali, Burkina Faso, Bénin, Togo. Même en Europe, Belle-export, les curseurs de sel pour fondre la neige sur les routes. D'accord. Parce que ici, les hommes allaient au milieu pour ramasser le sel. Mais avant d'aller au milieu, il faut s'enlever tous les corps de beurre de karité. De beurre de karité, ouais, voilà, c'est important pour protéger la peau. Voilà. Pourquoi? Sinon, qu'est-ce que le sel fait à la peau? Le sel, sinon, il attaque la peau. Il attaque la peau. Voilà, parce que le litre d'eau contient 380 grammes sel par litre. Ok. Pour cela, le lac, c'est bon pour faire la baignade, parce que ça soigne. Ok. Les petits boutons, les omorites, mais il ne dépasse pas 15 minutes maximum. Ok, il faut faire 15 minutes maximum. Voilà, après qu'il sort, tu rinces, il y en a l'eau douce pour rincer. Ok. Mais ici, quand tu baignes, jamais tu noies dans l'eau. Quand tu tombes en flotte. Tu flottes à cause voilà, du sel. À cause okay. Du sel. Parce que c'est 380 grammes sel par litre d'eau. Ok. Pour cela, quand tu baignes ici, on flotte. Mm-hmm. Donc ici, le lac, le sel, quand il vient de sortir, il est un peu noir comme ça. Il est c'est gris. Ça. Il est gris. Comment voilà, il est gris comme ça. Comme ça. Il est gris mm-hmm. Comme ça. Mais après, quand il reste ici, avec le soleil. Ah, le soleil le rend. Le soleil change la couleur. Le plancher. D'accord. Donc ici, le sel, avant de le consommer, il faut mettre du iode. Du iode dedans? Voilà, iode dedans, avant qu'ils mettent sur les sacs. Ok. Parce qu'il manque d'iode et le petit maladie, comme le goitre. Ah. Voilà, d'accord. Pour cela, il intègre le sel, mange le sel sans iode. Sans iode, ok. Voilà, et comment sel... vous rajoutez l'iode voilà. Là-dedans? Parce que toujours les hommes allaient au milieu pour ramasser le sel. Donc ça, c'est comme ça, ça sort? Voilà, comme ça, ça vient d'arriver aujourd'hui. Ok. Il est un peu gris comme ça. Après là. Deux autres. Bah là, il est rose, là, il n'est voilà, pas gris. Il est un peu rose. Il est voici, un peu gris. Voici le gris, là. Voilà, là. Mais ça, c'est les bouts noirs. D'accord, ça, c'est pas bon du ça, tout. Si, parce que ça, il y en a beaucoup de gens qui venaient ici pour utiliser comme les gommages. Les gommages, le bout noir, voilà. Le bout noir, là. Voilà, le bout noir, là. Ça, d'accord. Les arzines noires. Ok, là. Et comment on l'utilise ça? Moi-même, je vais utiliser ça pour le visage, alors. Voilà, parce que quand tu utilises ça, tu. Soigner les petits boutons. Les petits boutons et tout voilà, ça. Voilà, les corps, il a fait bon, hein, il est joli. Mais qu'est-ce qui explique votre joli teint noir là? Ça, c'est à cause du sel? Tout le monde ici est au... Non, à cause de... Parce que nous, je suis africain. Africain noir, c'est pas... C'est africain noir. Ah. Mais moi, je suis noir, mais regarde la différence. Mais je sais. Tu vois, c'est pas pareil. Ah, la mort, c'est pas la même... Tout le monde a le même corps. Ok. Donc il y a des gens qui viennent acheter cette boue là. Voilà. Donc quand le sel sort, il a cette couleur. Voilà. Et après, qu'est-ce qui se passe pour qu'il devienne blanc? C'est juste le soleil. Juste le soleil. Après, ils mettent les iodes.
Appelé ok, bon, mais vous rajoutez l'iode là? Voilà, rajoutez l'iode, okay. fait la consommation directement. Directement? Donc là, on peut prendre et mettre dans la sauce et ça voilà, fait direct. Ça fait direct. Ah ok, mais il faut l'iode quoi. Voilà, il faut l'iode. Parce que laissez, on va mettre tous les sacs comme ça. Ouais. Il faut mettre sur les iodes. D'accord, ok. C'est beau ce coucher de soleil là. Ouais. Le sel qui l'exporte comme Mali, Burkina Faso, Bénin, Togo, il faut résider. Vous n'emmenez pas en Côte d'Ivoire aussi? En Côte d'Ivoire? Il y a beaucoup de gens qui. Il y a beaucoup de grosses Côte d'Ivoire qui viennent ici. Qui viennent acheter ici, d'accord. Voilà, vous que faites que des grands sacs comme ça, vous ne faites pas de petits sacs? Oui, il y en a les petits sacs. D'accord. Il y en a les petits sacs, il y en a les grands sacs. Ici, il y en a un sac 50 kg, il y en a un sac 25 kg, il y en a un sac 40-80. 80 kg, ok. Non, 40-80. Comme ça, les sacs ouverts là-bas. Ok. Ça, c'est les 40-80. 40-80, ok. Il y en a un sac 25 kg. 25 kg. Il y en a un sac 50 kg. Ok. Et qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce qu'on peut faire ici à part le lac rose? Il y a d'autres choses qu'on peut faire, d'autres activités? Oui, parce que souvent, il y en a le tourisme qui vient ici. D'accord. Prenez une pirogue. Ok. Pour aller au milieu. Ok. Pour regarder les gens qui ramassent le sel. Ah, et mais bien, il faut que les gens voilà, qui ramassent le sel. Il y en a les quads. Les motos, là, okay. Les motos de 4 roues. Okay. En même temps, il y en a les 4x4 qui fait le tir, qui fait le dîne de sable. Ok. Parce que la mer est derrière le dîne. Okay. Parce que par avant, les locs, par époque, ça c'est le bras de mer. Par avant. Oui. Il y en a les poissons, les coquilles. Les poissons, mais là, mais avec. Mais quand Sénégal passe, grand sécheresse qui fait la séparation entre le dîne de sable couvert là, fait la séparation okay. entre la mer et les locs. Mais toujours la mer, c'est derrière, c'est 800 mètres entre la mer et le locs, mais toujours la mer pour alimenter. Ok. Souterrainement, pour le sous. Ok, pas de souci. Pourquoi Zormet, il a catécrisé, il a trouvé l'eau douce. D'accord. L'eau, c'est pas salée. Eh, boy, eh, on est pas, Balbi. Balbi. Boy, mon bal, Kiafan. Ok, pas de souci. Il y a l'iode là, quelque part. Il faut passer le sac avant de mettre le sac. Ouais, encore. Mettre l'iode. L'iode, ouais. Parce que l'iode, c'est pas en. Ça, c'est le venin. L'iode, ça, c'est en poudre. C'est en poudre, c'est la poudre d'iode là que voilà, je vois. Ça, ils ont mélangé avec ouais. de l'eau, après tu le mets sur le sel. Sur le sel. Ok. Et ça évite les maladies. Voilà, pour éviter les maladies. Ok. C'est quoi ton prénom encore? Ibrahim. Ibrahim. Merci beaucoup, Ibrahim. Fait, ok. Bon, les gars, vous avez compris, vous avez suivi. Hein. Il nous a expliqué un peu rapidement comment est-ce que tout ça s'est fait, comment est-ce que le sel est extrait du lac et à quelle bonne période le lac est rose. Et pourquoi le lac est rose? Bon allez, c'est avec ce magnifique coucher de soleil que je vous laisse et je vous dis, bah écoutez les amis, il fait bon ici, il fait très beau ici et venez vivre au Sénégal.